Balandi nyoso ya les amis de Wechi, partout bozali, wapi na wapi, Cyprien Wechi, avocat du diable, apesi bino mbote. Émission ya Cyprien Wechi, eza émission ya vérité, vérité ekotika la vérité. Tolobaki, bolobaki, balobaki. Dans tous les cas de figure, le 6 décembre, Kabila doit partir. Émission Oyo Eza, émission à vérité. Nako répéter les sousou. Tolobaki, bolobaki, balobaki. Dans tous les cas de figure, le 6 décembre, Kabila doit partir. Le lot, 3 mois et 3 jours après, Kabila est toujours là. Koutou ba kabiliste mosusu, ba komi ko benga Kabila président monument. Mwaye ya go bouje ye, ezate. A pika pika partout. Binomo ko boyebi, soki boke bitumba. À un certain moment, il faut bossa la évaluation. Oyo to benga ka debriefing. Chaque mouvement, et ça, la nano évaluation ya combat oyo. Pour la évaluation, ya les amis de Wechi, ngai Cyprien Wechi, avocat du diable, naza na kati ya koyeba, ke bande konabisu ya Bruxelles, batiaki, bande konanga ya mokili mobimba en erreur sur l'image ya Cyprien Wechi. Na combat oyo biso ba les amis de Wechi, et en particulier ngai Cyprien Wechi, j'étais considéré comme un collabo. Les amis de Wechi tozala qui victime ya bande konabiso ya Belgique. Yango na ko prouver bino de A à Z de bandale lo ti au moins un an. Na ko prouver bande konanga ya mokili mobimba ke bande konabiso ya Belgique batia ki bino en erreur. Image oyo ba pesa la ki bino ya Cyprien Wechi. Yangote, Cyprien Wechi est un pionnier awa na Belgique. Soki le lo, ba Congolais, ba komi ko sala awa na Belgique, je suis parmi les pionniers. Soki le lo, image ba Congolais awa na Belgique, est amélioré par rapport. Ya ba ane 90, je suis parmi les pionniers. Yango le longa y Cyprien Wechi. Na yeko pese la bino idéologie à les amis de Wechi. Ba tu ebele, baba na yeko fingangai. Pe bazo ko fingangai. Ke vie wana, c'est un véritable collabo. Vie wana, azala kana position te. Vie wana, ali aka mbongo. Nyoso wana, eba na yeko koma na matoi nangai. Et puis, je me suis dit, laissez le temps au temps. Parce que Nazala qui n'a qu'à te akoyeba, que ma parti politique d'opposition est qu'on décevoir Banapoto. Une fois, Banapoto, Barozala déçu, n'a koya qu'on explique philosophie à les amis de Wechi. Yango lelo, Nazala esengo, y'a koya qu'on explique bino, idéologie à les amis de Wechi. Lelo, bakoti parlement, est-ce que batuna ki a vina bino? Le respect c'est quoi? Il fallait batinda délégation awa na poto, batala ba combattant nyoso, ba exposer problème na bango, ba tenir compte na point de vue ya ba combattant oya poto. Mais ba kenda ki na bango parlement, sans vous consulter, koutou ba mosusu. Bakomi koloba, mouka moi j'étais en Europe, je n'étais pas vigile. Vigile et lingi koloba, nini. Soki, oyoki mo vigile wana, nandenge ya poto, et sali moi propre na matoi. Mais, soki, oyoki yango, nandenge ya kin. Ha 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 ba. Ba mama, ba tata, ba ndeko, émission y'avocat du diable, et sa émission y'a vérité.
mo vigile wana na ndenge akin elingi koloba nini sentinelle ko sentinelle oya boulevard ya 30 juin mutu oya lala ka likolo ya carton. C'est pour vous dire que babandi ko finga bino babandi ko finga biso ke bana poto tozalaka ba sentinelle wana poto babandi ko finga biso ke basi na biso mosala na bango kosala kaka ba femme de chambre awa esalaka moi propre tala kaka netinga iboye bakende ko yebisa ba ser na ngai moi si yaya na yo na poto asalaka femme de chambre tala kaka mutu oyo asala Congo ayo kawana ser na ngai na poto asa femme de chambre. Nazalaki na kati ya koyeba ke bana poto bokozala dessu. Yango ngai Cyprien wechi na ye ko pese la bino idéologie les amis de wechi pour na pesa bino courage. Naïve sa ki bino media les amis de wechi za media sensibilisation na kozonga simate. Idéologie les amis de wechi depuis plus de 20 ans ezalaka basé sur des éléments. Éléments ya liboso ezalaka travail. Lorsque biso ba les amis de wetu tosalaka, totalaka mbongo te, totalaka boulot. Parce que tosana kate ya koyeba, boulot ekobota valeur sociale. Valeur sociale ekobota création d'emploi. Et une fois to komi na ba création d'emploi, il y a des postes de travail. Et derrière chaque poste de travail, il y a des individus. Et qui dit individu, dit salaire. Salaire wana est satisfaire intérêt individuel. Il y a mutu oyo a occupé poste de travail. L'ensemble des intérêts individuels, c'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Donc, idéologie à les amis de Wechi, c'est satisfaire l'intérêt général. Et tout mon combat, awana poto, et tous les combats des amis de Wechi, c'est de satisfaire l'intérêt général. Nako répéter les sources. Idéologie nabiso ya liboso, travail. Tolandaka mbongo te. On travaille. Travail wana ekobota valeur sociale. Valeur sociale et kobota création d'emploi. Dans la création d'emploi, il y a des postes de travail. Et derrière chaque poste de travail, il y a des individus et un salaire. L'intérêt général est égal à l'ensemble des intérêts individuels. N'est-il dans les amis de Wechi, Ngaï Moko, Naza, journaliste, caméraman, directeur. Naza na salaire nangai. Aligné journaliste na salaire naye. Cameraman na salaire naye. Monteur na salaire naye. La somme des intérêts individuels est égale à l'intérêt général. Notre but a toujours été la satisfaction de l'intérêt général. Aujourd'hui, en Belgique, ceux qui ont des cannabis ont commis qu'au salaire en fonction publique, je suis parmi les pionniers. Naba 1990, on n'engageait pas des noirs ici dans la fonction publique. Na micro, oh, y a les amis de Wechi, to baneko kende, et puis y a ba ministre, to zo interpellé bango, pour nani ni bozo engager ba noirté. Nous sommes discriminés. Ti, jour, ba zo a ki décision à engager ba noir, je suis parmi les pionniers. Et aujourd'hui, il y a des noirs un peu partout. Je suis parmi les pionniers. Yango lelo na décidé. Na kolakisa na mokili mobimba. Travail à Cyprien Wechi awa na Belgique. Si nos frères se retrouvent aujourd'hui, si nos frères ba komi koya, ba sali, ba komi bien awa na Belgique, je suis parmi les pionniers. Mais ba dès qu'on a biso, la première personne de diaboliser, c'est moi. Et ça, je ne suis pas d'accord. Na ko finga mutu mon côté, na za na ba image.
Avantage y angai Cyprien wechi nazara ba image. Nakolakisa tout. Nakolakisa ingratitude ya bana Belgique. Parce que bana Belgique ne va induire bino en erreur. Bana Belgique ne va induire mokili mobimba en erreur sur l'image à Cyprien Wetchi, sur l'image les amis de Wetchi. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous, mes chers amis. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour vous. Nazala kati akoyeba, ba tu ebele. Ba komana ko tinde langai, ba lettre ya ba excuse. Je ne suis pas là. Nazala ngo besoin te. Et loko na ko senga bande ko nangai ba kongole ya mokili mobimba. Il faut tous à la mena na esprit a kondima moninga. Soki moninga se le loko ya bien, il faut kondima ye. Le loko ya kulakisa bino teroui oyo na uti ko yebisa bino, c'est depuis des années. Aujourd'hui, les amis de Wetchi ouvrent ses archives. Boko landa commission Lumumba. Du début à la fin. Makambo nyoso oyo baloba ki la commission Lumumba binomoko boyebi awa na Belgique. Basala ki commission Lumumba où on a traité. Moi-même Cyprien Wetchi, j'étais là. J'ai fait au moins un mois tous les jours na bande ko kende na caméra na ngai na bande ko filmer. Mutu moko bande ko futa ngai te. C'est pourquoi je vous dis biso to landaka travail. Travail wana eza na valeur sociale. Si ngai Cyprien Wetchi nazalaki te, bino bande ko nangai bolinga ki boye ba te. E loko nini elekaki na commission Lumumba. An image. Bolanda nano ba extrait oyo na kozonga sima. Monsieur Ndaka, vous avez encore une obligation cet après-midi. Je propose que qu'on commence votre témoignage, que nous arrêtions vers 3h10 et de le reprendre par après. Vous allez repasser par la commission et puis on reprendra votre témoignage. Est-ce qu'il y a un problème technique? Non. Le premier papier. Tout va bien, monsieur Ndaka? Oui, ça va. Ah. Bon, monsieur Ndaka, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos relations avec monsieur Lumumba avant le 30 juin? Vous avez été dans le même mouvement, mais d'après nos informations, à un certain moment, vos relations avec M. Lumumba étaient devenues moins chaleureuses, moins bonnes, moins effectives. Est-ce que vous pourriez nous instruire à ce sujet? Bon, mes relations avec Lumumba avant l'indépendance, ça remonte assez longtemps. Lumumba avait sa première connue, il était dans beaucoup des associations à l'époque, à Stanleyville. C'était un garçon assez était dynamique, il cherchait sa voie. Dans toutes les associations qu'il a voulu passer, il a eu toujours des ennuis. Il a été d'abord l'association des évolués, il a eu des ennuis là aussi. Il a été l'association des personnels de l'administration, on appelle la PIC, un syndicat des fonctionnaires. Là aussi, il a eu des ennuis avec les commissions comité. Il a été l'association des membres d'enseignement officiel laïque. Il a eu aussi des ennuis, l'association comité. Il a été aussi au Parti libéral, quand M. Bousseret est venu là-bas. Là aussi, le Parti libéral l'a radié au mois d'avril, parce que ses déclarations auraient été considérées comme incompatibles avec les vies du Parti libéral à l'époque. Enfin, il n'y a eu que des ennuis comme ça. Et puis, quand on a fait appel à lui, pour prendre le MNC,
C'est nous qui l'avons fait après lui, en ce moment, parce qu'il venait de Stanleyville. Le parti, les messieurs Léo, ils appellent comme ça, c'était un parti de chrétiens. Quand ils ont fait leur manifeste en 1956, je crois, il fallait créer un mouvement. Et c'est en 1958, ici à Bruxelles, au cours il y avait ici une exposition universelle, quoi. Et dans une réunion, on s'est réunis, on a décidé qu'il fallait qu'on crée un mouvement. On a décidé de créer un mouvement national, un mouvement pour la formation politique des populations congolaises de l'époque. Arrivé à Paulville, on cherchait quelqu'un pour prendre la présidence, on ne trouvait pas. Mais nous savions que les mouvements étaient libres, ils s'occupaient des programmes, ils travaillaient dans une brasserie, et ils faisaient la promotion des bières, et lui, moi, disposait du temps. Et nous l'avons proposé, et il a été accepté par les membres des fondateurs, qui étaient 28 à elle, des MNC. Alors, là, il a évolué, il a fait son voyage à Accra. Il a eu des problèmes à Accra aussi. Quand il est rentré, il a été révoqué du comité. On l'a accusé de toutes choses, de l'argent, tout ça. On l'a accusé de beaucoup de choses. Quand il a révoqué, nous, moi personnellement, avec un groupe d'amis, nous l'avons récupéré. On n'était pas d'accord de la manière dont Lumumba avait été révoqué. Tous les jeunes de l'époque, surtout que moi, je venais d'Estanville, il y avait un peu une question de lutte entre ce qu'on appelait les Quinois, les gens de la ville, et ce qui venait de l'intérieur. Nous sommes mis derrière Lumumba et nous l'avons malgré tout poussé. Et comme lui n'était pas connu à l'époque, il ne pouvait pas combattre l'Abaco, qui était très puissante à l'époque. À l'époque, nous l'avons conseillé d'aller à Stanleyville, faire ce mouvement là-bas. Il est parti à Stanleyville, il a fait ce mouvement, qui a dégénéré, enfin, il y a un premier congrès qui a dégénéré en des émeutes pour lequel il a été condamné. Je connaissais bien Lumumba, de son caractère, mais il a essayé aussi de prendre la tête de ce mouvement Batete-là, qu'on appelait Fédération Fédébat. Il a eu des problèmes aussi avec ses propres compatriotes qui n'ont pas voulu. Il y a des mouvements qu'on appelait Batete-là en Amongo, ou en Koussou en Amongo. Là aussi, il n'a pas pu. Ça n'a pas marché non plus. Il y a eu que des déboires un peu partout dans toutes les associations. Quand nous sommes venus ici en 60, c'est moi qui avais dirigé la délégation congolaise pour venir pour assister à la conférence de la table ronde politique. Arrivé ici par souci d'honnêteté, par solidarité avec lui, nous avons décidé que nous pourrions que les MNC Lumumba, c'était une aile. Lumumba créait en somme une aile. Mais l'aile légale, c'est l'aile qui était dirigée par Kalonji et les autres. Que nous n'assisterons pas à la conférence à Taberon si notre paysan n'est pas libéré. À l'époque, les autorités belges l'ont libéré, il nous a rejoint. Bon, je lui ai passé mon siège comme président de la délégation de MNC Lumumba. Vous voulez savoir quel démêlé qu'il y a eu? Comme dans tout parti politique, il y a toujours des petits problèmes. Et comme moi, je connaissais son caractère, je n'ai pas voulu me mêler trop à lui parce que c'était pas. Moi, j'étais déjà un homme d'affaires, je travaillais à mon compte. Depuis longtemps, c'est ainsi que j'ai pu lui aider pour voir les petits tickets de ces gens. J'avais un bureau d'agent de voyage, j'avais tout à l'époque. Un bureau fiduciaire aussi. Et voyant que ça n'allait plus entre lui et moi, et je n'ai pas vu le problème, je me suis retiré. Quand je me suis retiré, il n'y a pas eu de tension entre lui et moi, on restait amis.
pour les amis, parce que même après l'indépendance, quand il a gagné les élections, je vais les féliciter. Même quand il était nommé Premier ministre, il m'a envoyé des messages, il m'a envoyé des gens. On gardait de bons contacts avec lui, donc il n'était pas un ennemi avec lui. Lui m'a rien fait, il n'a rien fait. Moi, j'ai quitté le parti. Bon, même bien que les membres, si au moment du parti, ne voulaient pas que je quitte, parce que vous verrez, même dans certaines déclarations des juges Emmanuel, qui était le président de la jeunesse congolaise, et tous voulaient que je rentre, ils disaient que non, avec le mouvement tout ça, ça n'ira pas, il est débordé, rentrer, non. Moi, je suis parti. La pression était que je gagne le parti parce que. Il était débordé, il était dépassé par les événements, tout ça. Il m'a envoyé son ministre intérieur Gbagnon aussi pour proposer des postes. Il m'a envoyé beaucoup de gens, même une dame allemande, Madame Quinlas, qui était à Stuttgart. Il m'a envoyé beaucoup de gens pour que je puisse se réunir avec. Donc, je n'avais pas de problème sérieux avec Lumumba. Donc, vous n'aviez pas de problème au plan personnel, non. Mais. Apparemment, vous il avait avez... son caractère. Il avait son caractère. Caractère. Et est-ce que vous étiez d'accord avec la façon dont il gérait le pays, ou est-ce que ça aussi c'était une des raisons pour lesquelles vous vous êtes éloigné de M. Lumumba? Non, quand je me suis occupé de lui, c'était avant ça. Il a géré le pays après. J'ai interpellé avec lui. Quand il a été élu Premier ministre, j'étais pris avec lui. Je n'avais pris aucune fonction. J'étais chez moi à la maison. Je n'avais aucune fonction officielle. Et quelle était votre appréciation de la façon dont M. Lumumba gérait le pays? Est-ce que vous trouviez qu'il faisait ça bien, ou est-ce que vous trouviez qu'il était en danger pour le Congo, ou est-ce que vous estimiez que ça vous laissait ni froid ni chaud? Non, je place cela dans une sorte de l'inexpérience. L'inexpérience de tous côtés. Il y avait l'inexpérience de la décolonisation du côté belge aussi, qui avait l'inexpérience de notre côté aussi. Vous savez, monsieur le président, il faut aller droit au but. Si quelqu'un qui est responsable de tout ce qui est arrivé et que nous trouvons aujourd'hui ici, c'est monsieur Van Lier. Valide, c'est le pyromane. C'est lui qui a jeté le feu. Pourquoi est-ce qu'il a commencé le Bumba d'avoir, n'est-ce pas, d'affronter le roi, de créer un incident? C'est Valide, c'est lui qui est il se vante ici, il vous a peut-être impressionné. Moi, il ne m'a pas impressionné. Moi, j'ai connu M. Valide depuis longtemps. C'est lui qui est. Parce que pourquoi? Parce que Valide, quand il est venu au Congo, il voulait avoir une place au sein du cabinet de Lumumba. Il fait des tentatives. Mais il y a eu quelques-uns qui ont été retenus. On a retenu le nom de M. Grottard, qui est venu chez le cabinet adjoint. Le nom de fils Gansoff Van der Merch, que Lumumba avait retenu. Il y avait un Divivier, les trois Belges qui étaient là-bas. Même M. Valide, son nom n'était pas là. Son nom n'était pas là, donc il était un peu aigri. Et il a entraîné Lumumba dans son geste diabolique. Pour moi, le Satan, c'est Van Lier. Pourquoi est-ce qu'il a mis le feu? Pourquoi est-ce qu'il a créé? C'était vraiment le pyromane. Il s'est fait passer ici comme le saint. Pour moi, c'est le Satan. Sans Van Lier, ces discours n'auraient pas été faits. Et donc, vous trouvez que ce discours était un mauvais discours, et donc que c'était une mauvaise direction dans laquelle M. Lumumba entraînait le pays? Il a été piégé, il a été tendu dans un piège diabolique, profité de l'inexpérience de Lumumba, et il a dit Lumumba, il ne faut pas vous laisser faire des discours de roi, je lis ça, c'est un discours n'est pas trop colonialiste, trop paternaliste, vous devez réagir. C'est alors que Lumumba a rédigé son discours, a été rédigé par plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont rédigé le discours, mais il a choisi celui qui a été préparé par Mme Brouin. Mme Brouin. Mme Brouin, Lumumba est entouré des africanistes
qui ont fait de lui comme un otage dans les taux. Autour de Lumumba, il y avait Mme Blouin, qui est une dame, une conseillère de Gizenga. Il y avait M. Serge Michel, un Algérien, franco-algérien. Il y avait M. Moumier, qui est un Camerounais, qui dirigeait le parti communiste là-bas au Cameroun, l'aile qu'on disait comme l'aile communiste, qui était le président. Il y avait M. Alvarez, un Portugais, un Espagnol, qui rentrait de Cuba, c'est Cuba. Il y avait M. Jim, l'ambassadeur du Ghana. Diallo Terry, de la Guinée. C'est à peu près le conseiller de Lumumba qui formait toutes nos satires autour de Lumumba. Il y avait une très forte influence parce qu'ils étaient des africanistes. Le discours avait été rédigé par Mme Blouin. J'ai eu un discours justement intéressé à Kinshasa. On voit ce passage que vous m'avez rectifié sur le banc même. Pendant que le roi et le Kassavou disaient un discours, on voyait que vous m'avez modifié. Malheureusement, c'est resté à Kinshasa. Je n'ai pas vu dans mes papiers. Sinon, je vous montrerai le travail, la mouture, les drafts, la mouture de ce discours. Donc, selon vous, M. Lumumba était fortement influencé par ses conseillers, par ces gens dont vous nous avez indiqué les noms qui l'entouraient. Il était fort influencé par cela, surtout. Du côté congolais, très peu. Du côté congolais, très peu. Bon, il avait son gouvernement, trop peu. Il avait une influence, mais c'est tout cela, ce que j'appelle les africanistes, là, qui avaient une forte influence, et d'autres amis. Évidemment, Lumumba, bon, il y avait quand même cette sympathie internationale qui était, en ce moment, c'est la première fois. Après le Ghana, on voit un grand pays comme le Congo qui accède à l'indépendance. Ça crée beaucoup de sympathie. Beaucoup de sympathie. Il avait beaucoup de gens. Vous savez, tout homme, quand vous trouvez un poste pareil, vous avez beaucoup d'amis. De vrais amis, de faux amis aussi. Et des amis comme Van Lierde aussi. Mais M. Van Lierde n'est pas resté très longtemps. Il est déjà parti le 4 juillet. Oui, il est parti vite parce qu'il a mis le feu. Il a mis le feu et puis il est parti. Quand est-ce que vous avez repris des fonctions officielles au sein de la vie publique au Congo? Début octobre. Et entre-temps, est-ce que vous aviez des contacts avec des Belges? Mais Monsieur Schamp, parce que... Ik zou daar toch even wel dieper op ingaan. Oui, sur ce point, Monsieur Nendaka, ce que vous dites à propos de Monsieur Van Lierde, prétendez-vous que si ce discours n'avait pas été prononcé, les problèmes des 6 mois ultérieurs n'auraient pas eu lieu, car vous semblez vouloir dire que l'influence de ce discours était aussi importante que cela a mis le feu aux poudres, la sécession au Katanga, les pillages, etc. n'auraient pas eu lieu sans ce discours. Est-ce que vous prétendez, n'est-ce pas un peu fort? C'est une réalité. C'est une réalité que j'ai vécu cette réalité. Nous avons vécu cette réalité. Ce discours a été le détonateur, a modifié le destin du Congo, a modifié le destin de la relation entre la Belgique et le Congo. Peut-être que d'autres problèmes seraient venus plus tard, mais la conjoncture n'aurait pas été la même chose. Oui, sur ce qui vient d'être dit. Monsieur Nendaka, pardon, a esquissé le groupe des africanistes qui entourait Patrice Lumumba et qui venait de tous les horizons. J'aurais voulu lui poser la question suivante.
Nous avons entendu ici un témoin qui prétendait que lorsqu'il travaillait au cabinet de Patrice Lumumba, chaque jour, ils avaient des contacts avec un groupe de personnes qui travaillaient autour de Frantz Fanon à Léopoldville à ce moment-là. Et j'aurais voulu demander au témoin s'il en est au courant. Monsieur Paul, il y avait beaucoup de gens. Du monde entier. Je comparais la sympathie du Congo. J'ai assisté le jour de passage de pouvoir chez Mandela en Afrique du Sud. C'est exactement la situation. Sauf que Mandela a bien géré sa crise. Il n'y a pas de débordement, mais que sur le Mumba, il n'a pas réussi à gérer, n'est-ce pas, les contradictions qui étaient autour de lui. Bon, monsieur Ndaka, dans votre. Donc, vous avez pris quelques mois de sabbatical leave. Donc, mais pendant cette période, est-ce que vous aviez des contacts avec des Belges, avec des gens qui faisaient de la politique? Je suppose que. Pas avec un Belge. Je ne connais pas. Je ne connais pas un Belge qui fait de la politique. Jamais rien. Vous n'avez donc pas eu de contact avec les messieurs Laye et Marlière? Ah non, ça c'est différent. Marlière était colonel, oui, et était conseiller de Mobutu. Laye était conseiller de Kandoro, Kandon. Il faisait souvent des va-viens entre le bureau du ministère de l'Intérieur et chez Kassavou, il faisait des liaisons là-bas, tout ça. C'est que de temps en temps, j'avais des contacts avec lui. D'ailleurs, vous verrez plus tard, lorsqu'on va décider du transfert de Lumumba vers les Abitivules, c'est Laye qui m'apportera, accompagné de mon chef de hiérarchie, m'apportera une note d'organisation. Mon rôle était de remettre, pas de prendre les prisonniers, les 10 prisonniers qui étaient à Ardi pour les mettre entre les mains de la hiérarchie. Il semble que j'avais réussi Mokamba aussi, qui était mon chef, et avec son collègue ministre de la Défense, sont-ils qui ont s'occupé de ce problème. Mais donc, dans le courant des mois de disons, août 60, juillet 60, vous n'y avez pas de contact avec M. Laye ni M. Marlière. Rien du tout. Collègue avant qu'il n'y ait pas de point de vue, Monsieur Ndaka, je puis vous dire que quand M. Van Lierde était ici, j'ai effectivement de M. Van Lierde s'il se rendait compte quelle responsabilité il portait dans le cadre du discours de M. Lumumba, qui à mes yeux, comme vous l'avez dit vous-même aussi, car je suis un peu plus âgé que la plupart des personnes ici. J'étais à l'armée. J'étais le premier médecin belge qui était sur le point d'être envoyé avec les troupes belges. Donc, j'ai été impliqué émotionnellement dans cette affaire. Et je me rappelle effectivement que le discours de M. Lumumba a renversé les choses. J'ai posé cette question à M. Van Lierde. Un collègue aujourd'hui absent m'a interrompu et M. Van Lierde a fait comme s'il ne savait pas qui avait écrit le discours de M. Lumumba. J'apprends de votre part qu'il y avait notamment une dame parmi ces africanistes qui l'a assisté dans le cadre de la rédaction de ce discours. Vous pourriez peut-être nous dire qui a écrit le discours, M. Lumumba a-t-il également apporter une contribution ou ce discours a-t-il été écrit par les africanistes? Première question que je voudrais vous poser. La deuxième observation de M. Van Lierde était que M. Lumumba n'avait pas de conseiller. J'ai l'impression que Lumumba n'avait pas un seul conseiller, mais toute une armée de conseillers, tout un groupe de conseillers. Et tous ces conseillers viennent du même environnement, c'est-à-dire ils viennent
surtout de l'aile gauche. J'ai même parlé du flirt de M. Lumumba avec Moscou. Et je vous pose la question suivante. Excusez-moi, je demande à M. Ndaka quels étaient les contacts de M. Lumumba et de son clan avec Moscou. Car à ce moment-là, en Afrique, il était classique que quand un pays ne pouvait pas l'obtenir en l'Occident, ils entamaient un flirt avec l'Est et vice-versa. Donc mes questions sont claires. Qui a rédigé le discours de quels étaient les liens avec Moscou de ces africanistes? Merci. Voilà quelques questions concrètes. Oh non. Il y avait quelques questions concrètes, donc. Qui a fait le discours? Et deux, pouvez-vous nous dire les contacts de M. Lumumba avec le monde communiste, marxiste? On avait fait à Lumumba plusieurs projets. Son cabinet a fait un projet. Il y a eu d'autres projets. Mais c'est le projet des africanistes qui a intéressé Lumumba. Qui a été, je dis que j'avais le papier, mais c'était quelque chose là. Et le marxiste, je les ai appuyés parce que j'avais beaucoup des archives, quatre mâles d'archives chez moi. Et on va là-bas, Lumumba paraît, ajoutait la main, c'est le seul. Vous avez certainement vu dans mes papiers que vous avez pris. Vous voyez, si le Mumba intervient pour modifier le gouvernement, c'est critique lui-même. Vous avez vu ça aussi. Donc, c'est Mme Blouin qui a été, si vous voulez, la personne qui a rédigé ces discours-là. Et puis, vous parlez le contact avec. Et puis, je dirais même que l'attitude, monsieur. Va dire, dans ma carrière, j'ai observé beaucoup de choses. Pendant ce moment-là, en 60, monsieur le président, je vis énormément de choses, de lutte d'influence autour du gouvernement, autour des autorités congolaises, américaines, russes, français, allemands de l'Est, allemands de l'Ouest, jusqu'à y parfois un colonel américain qui a été abattu là-bas. Avec une femme canadienne, il y a un officier tunisien qui a dit, je ne sais pas ce qu'il est parti. J'ai assisté comme ça à beaucoup d'histoires. Alors, et c'est plus tard que je verrai que la plupart des gens de ces africanistes ou des hommes d'État qui se passaient pour des conseillers déjà anti-impérialistes, plus tard, je verrai que leur nom figurait sur la liste de la CIA. Ils étaient des agents doubles. Ça m'a frappé. Est-ce que Valérie n'était pas parmi ces gens-là aussi, un agent double? Ben, alors maintenant, vous parlez des questions. Le monde est très intéressant. Enfin, essayons d'aller vers les contacts. Bon, les contacts. Lumumba n'était pas communiste. Il était un nationaliste. Puisqu'il a commencé, quand il a eu l'occupation belge, voici la réaction de Lumumba. Il y a la butée de l'île. Tout le monde s'enfuit. L'armée belge occupe les garnisons, c'est-à-dire désarmer les troupes congolaises. Il apprend que l'armée belge a occupé le Katanga. Donc, il a perdu l'impérium sur le Katanga. Donc, l'impérium du Katanga appartenait à la Belgique alors. Lumumba est allé d'abord demander l'aide aux Américains. Il n'a pas eu l'aide. Quand il n'a pas eu l'aide, il s'est retourné chez les Russes. Les Russes, ils ont marché. Ils ont envoyé des camions, ils ont envoyé des tout, même des techniciens, ils sont arrivés avec les camions, on les a mis partout. C'est en ce moment seulement que Lumumba a demandé l'aide aussi aux Chinois. Il a demandé aux pays d'Orient. Donc c'était l'homme qui a fait bouger un peu tous les puces du monde entier à l'époque. Et c'est alors que c'est que quand le président Kennedy, avec la Russie, était déjà là, c'est alors que les Américains décidaient d'échanger, de faire adopter une résolution pour envoyer l'ONU au Congo. Et je vais à ce moment-là. Les soldats de l'ONU commençaient à embarquer les soldats russes dans les avions pour les ramener ici en Europe. Donc, l'intervention
Le contact de Lumumba, c'était plutôt un contact, on peut dire, c'était conjoncturel. Si tu veux, devant un cas de force majeure, il est abandonné par l'Occident, et il a couru chez les Russes, chez les Troubons, et c'est à sorte que l'armée russe a envoyé des gens. Mais si le problème idéologique, s'il n'est pas doctrinaire, je ne crois pas. Il n'a jamais été communiste. Mais le danger. Le danger était là parce que. Bon, collega's, enfin, daarover nog, maar dan heel kort, want we hebben met meneer Ndak afgesproken dat we hem om na drie zouden. Ndak, 4:15, il pouvait se rendre chez le Premier ministre. Ensuite, il reviendra vers 4:00 pour la suite de nos travaux. Il est 3:15. Ce sont de très courtes questions. Monsieur Ndaka, est-il correct que vous avez-vous été membre du MNC et au mois de mars 1960, avez-vous quitté le MNC pour créer une aile dissidente et la raison de ce départ était-elle que Patrice Lumumba était accusé d'être extrême-gauche? Deuxième élément, je voudrais y revenir. Vous nous dites que les africanistes entouraient Patrice Lumumba. Vous en citez au moins un qui était membre actif du Parti communiste. Pouvons-nous considérer ce groupe d'africanistes comme étant d'extrême gauche pardon, dans son ensemble? Et troisième élément, Frantz Fanon, en 1960, était l'idéologue par excellence de la révolution marxiste internationale. Selon un témoin, il se trouvait à Léopoldville immédiatement après l'indépendance et par ce témoin, il semble avoir eu des contacts avec le cabinet Lumumba. En êtes-vous au courant? De mars, j'avais quitté Lumumba. Et j'avais quitté Lumumba parce que, à cause de M. Valirde, avait amené Lumumba et les gens de la BACO chez un certain M. Goyens. C'est une sorte de Domingue français. En France, il y avait un homme d'affaires qui s'appelait Domingue. Ici, vous avez Goyens, ici. Un adversaire. Et c'est Goyens. Et les contacts, ils sont allés plusieurs fois. Et ça ne m'intéressait pas parce qu'en ce moment-là, je disais, vous m'écoutez, si vous fréquentez des gens comme Goyens, lui, peut-être qu'il fait des affaires, il a des monopoles de commerce. Dans la Belgique, vers les villes de l'Union soviétique, on risque de nous considérer notre parti comme parti communiste. Et il y a eu des malentendus, j'ai démissionné, je ne peux pas me mêler de ça, de ce problème, parce que vous voulez rentrer avec la PACO chez Goyens, allez-y. Voilà la raison pour laquelle ils avaient quitté. Ils avaient dit dans ma conférence de presse à l'époque. Je l'ai appris, je me souviens. Deuxièmement, on posait la question de. Je vous ai posé la question si le groupe que vous définissez comme des africanistes. Oui, ce groupe d'africanistes, je ne peux pas. Je sais qu'ils étaient des africanistes, ils avaient beaucoup de sympathie avec le pays de l'Est, parce que c'est le pays qui, à l'époque, qu'ils étaient au secours du pays du tiers-monde. Il y avait l'impérialisme, l'anti-impérialisme et tout ça. Et ce pays là-bas avait été, si vous voulez, attiré par la propagande communiste. N'oubliez pas qu'il soit ça. Monsieur qui est là-bas, il peut dire qu'il était inondé des affiches du Parti communiste. On disait bas le Congo, bas le Congo, c'est un pays rempli. Il y avait des affiches de l'Union soviétique, il y avait des affiches de Nasser, tout ça, et
tout était rempli d'affiches, que le pays était inondé. Dans les camps militaires, plein partout, chaque militaire avait des affiches. Et ça fait que c'était un matraquage, c'était même agressif. Ça devenait agressif, parce qu'un population qui n'a jamais fait la politique, c'est tout devenu une agression, des tracts, des affiches. Comme ça, évidemment, à ce moment-là, on était devenus otages. Et Lumumba était devenu otage. Il y avait la dernière question concernant la présence de monsieur. Vous... Franz Fanon. Franz Fanon, il venait souvent au Congo, il avait écrit un livre sur le Congo. C'est quelqu'un, comme la plupart à l'époque des écrivains du tiers-monde. J'ai lu ce livre. Oui, ils avaient des sympathies. C'était... Si vous voulez, vous situez à l'époque. Hein. À l'époque, c'était comme ça. Pour être bien vu, tout ça, il fallait dire qu'on était camarades. Camarades. C'était d'ailleurs à l'époque des camarades. Oui, ça faisait bien. Mais Franz Fanon, à l'époque, faisait le tour du monde, avait des contacts avec le FLN en Algérie, était régulièrement à Cuba, il était lui-même martiniquais, et il était, à chaque révolution, il était présent. Oui. Bon. Mais l'idéologie de cette façon-là, je ne peux pas... Ceci étant dit, je crains que pour votre prochain rendez-vous, on va vous laisser passer maintenant. Allez maintenant, vous revenez vers 4 heures? Oui, c'est bien. Parfait. Ça ne dira pas, oui. OK, une intermission de 5 minutes pour permettre à la technique de changer. Et on demande alors, monsieur l'ami Juillet, en principe, si on a... L'entêtement du gouvernement belge. Nous devons faire un parti politique pour exprimer nos souhaits et arriver à entamer des dialogues où nous serions pris en considération comme interlocuteurs valables. Pour cela, il faut, plus nous sommes nombreux dans un seul parti, plus lourd sera ce parti et plus il sera considéré. Je ne vais donc pas aller payer encore un autre parti, je prends le vôtre. Mais j'avais avec mon argent l'organiser pour toute la province du Kassai. C'est ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi j'étais très estimé par tous ceux qui étaient à l'Épaulville au conseil du MNC, tous les membres du comité. Et c'est encore avec mes fonds propres que j'ai organisé non seulement l'installation des structures dans tout le Kassai, mais également le premier congrès du parti politique de Lulogour. Et c'est au cours de ce congrès que Lumumba a voulu que je l'accompagne. Binomo Koboti Kolanda. Na kende ko filmer na pese li bino ba image oyo bo futi combien bande ko boye di sangai bo futi combien po ya kota la bilili oyo bo futi combien nani afuta kingai Cyprien Wechi po ya ko filmer bilili oyo. J'ai trouvé que c'était important d'aller filmer la commission Lumumba na sana yango ebele na kola ki sa audition, il y a ba belge, il y a ba congolais. Travail on a salaki, et ça travail d'intérêt général. Nalanda ki mbongote, ba mama ba tata bandeko, bandalelo. Je vais vous prouver de A à Z que Cyprien Wechi, j'ai travaillé pour satisfaire l'intérêt général. J'ai travaillé pour que les Congolais retrouvent la fierté, la dignité et l'honneur. Awa na Belgique, mais bande konanga ya Belgique, motema mabe, ba endure bino nyo so en erreur, bino pe bolandaki. A partir, exemple, à Cyprien Wechi, toko tire ba leso, ebele! Et prochainement, naza na kati akoyeba, soke ba ebisio eloko, il faut vérifier avant ya kozwa décision.